Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. À la frontière avec l'Arménie, il y a une armée qui aime son pays. L'ennemi n'est pas tenu compte. Achot Haroutchinian, pour qui Bakou l'église arménienne Saint-Grigor de Savorich. Un député de Bundestag condamne l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Mirzoyan a présenté à la partie britannique la situation créée par l'agression en grande échelle de Bakou contre l'Arménie. Exigez de l'Azerbaïdjan le retrait immédiat de ses troupes de territoire de l'Arménie. Maher Markarian a présenté l'appel de l'Arménie au Conseil de sécurité de l'ONU. Le film L'Ob de lobe, sur un survivant du génocide, sera nominé pour la cérémonie des Oscars. Mariam Kortchian est la championne du monde d'échecs de moins de 18 ans. Sur l'antenne de la chaîne de télévision Western Armenia TV, le président de l'Union patriotique Shushi, l'historien Ashot Harutsunian, a parlé des actions militaires déclenchées par l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie depuis le 13 septembre, en les reliant à la question de l'Artsakh. Il a également fait référence à la déclaration de l'OTSI, notant que l'Arménie doit être guidée avant tout par des intérêts de l'État, tandis que les soldats doivent défendre héroïquement leurs voisins. Il a également souligné l'implication de les États du monde arabe dans la résolution de ce problème, car la plupart d'entre eux ont une position anti azerbaïdjanaise et anti-turque. La République d'Arménie a un rôle de pont dans la région qui peut être utilisé très sérieusement dans la diplomatie une délégation polonaise conduite par Wojciech Bortkowicz, recteur du séminaire théologique de Varsovie, a conclu sa visite à Bakou le 14 septembre. L'Azerbaïdjan a pu redorer son image grâce à des Polonais loyaux qui ont fait preuve de tolérance et de solidarité en visant des églises chrétiennes et albanaises. Les Polonais ont visité l'église catholique Sainte-Marie de Bakou ainsi que l'église arménienne Grigor de Savoric. Nous avons écrit précédemment que Bakou avait fait la promotion de ce fait pendant un an en accompagnant ses invités au sanctuaire arménien et les médias ont rapporté que des sommes importantes étaient dépensées pour le préserver. Cet état artificiel qui s'appelle l'Azerbaïdjan dans le monde civilisé est un véritable agresseur qui non seulement n'épargne pas la vie des citoyens vivant dans son pays, les poussant à la guerre, mais provoque également des destructions et des victimes innocentes sur le territoire de l'Arménie. L'Arménie occidentale condamne fermement toute action d'occupation de l'Azerbaïdjan qui met en danger le peuple d'Arménie orientale, d'Arménie occidentale et d'Artsakh. Michael Roth, président de la Commission des relations extérieures de Bundestag, a condamné l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien. Michael Roth a publié une déclaration disant, il est bon qu'un cessez le feu ait été établi grâce aux efforts de négociation des États-Unis et de l'UE. Je condamne l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le territoire de l'État arménien. Ce conflit de longue date ne doit pas être résolu par la force des armes, mais par des négociations pacifiques. Il est évident que l'Azerbaïdjan tente de promouvoir ses intérêts territoriaux en prof... Profitant de la faiblesse de la Russie, nous ne devons pas laisser l'Arménie dépendre de la Russie. Le haut devrait prendre l'initiative d'instaurer la paix et de soutenir la démocratie en Arménie. Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a eu une conversation téléphonique avec le ministre d'État aux Affaires européennes à la coopération et au développement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Léo Doherty et a présenté la situation résultante de l'agression à grande échelle déclenchée par l'Azerbaïdjan sur le territoire de l'Arménie. Il a été particulièrement souligné que l'Azerbaïdjan prend délibérément pour cible les civils et les infrastructures civiles en violation figrante du droit international. Le ministre le ministre des Affaires étrangères a souligné l'inadmissibilité des déclarations des partis et la patience d'une condamnation claire sans équivoque et ciblée de l'agression azerbaïdjanaise par la communauté internationale, y compris le Royaume-Uni, indique le communiqué. Selon la source, le ministre Mirzoyan a ajouté que l'Azerbaïdjan torpille les efforts de la partie arménienne pour établir la stabilité et la paix dans la région en essayant d'atteindre ses objectifs idéalistes par la force. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU, Meher Markarian, a demandé à l'ONU d'assumer sa responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité internationale en exigeant que l'Azerbaïdjan retire en toute sécurité ses troupes de territoire de la République d'Arménie, a déclaré M. Markarian dans sa déclaration. Nous demandons au Conseil d'assumer sa responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la carte des nations. Unies. L'Azerbaïdjan doit continuer à remplir ses obligations humanitaires envers les prisonnières de guerre arménienne et s'engager de bonne foi à préserver le patrimoine culturel et religieux arménien. Le représentant a ensuite ajouté que l'Arménie exhorte les membres du Conseil de sécurité à s'engager sur cette question et à obtenir des résultats tangibles à la suite d'une réunion d'urgence. Ajoutant que le ministre des Affaires étrangères d'Arménie occidentale Lydia Markosian a également lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la réponse à te San ekivok. L'Académie nationale de films d'Arménie a sélectionné le film d'animation documentaire Down de la réalisatrice Ina Sahakian pour la nomination de l'Arménie dans la catégorie de meilleur films en langue étrangère lors de la 95e cérémonie des Oscars. L'annonce a été publiée sur sa page Facebook officielle de films. Il est maintenant plus important que jamais que le voix des survivants du génocide des Arméniennes comme celle d'Aurora soit entendue. pente lire dans le texte. L'ob de l est produit par Bars Media. Nous remercions toutes les autres fondations, subventions et fonds qui ont rendu ce film possible. Peut-on lire dans le communiqué? Lors de l'avant-dernière ronde de la dixième édition du championnat du monde d'échecs féminine au 18 qui s'achève en Roumanie, Mariam Karchian, l'actuelle championne d'Arménie, s'est imposée avec les pièces noires et s'est assurée du titre de championne du monde avant la date prévue. Le service de presse du ministre de l'Éducation et de la Culture de la République d'Arménie en fait état. Mariam Karchian a remporté les dix rondes et compte dix points à son actif. Il reste en tour jusqu'à la fin du championnat. L'Arménie représentée par de joyeux d'échecs concourant dans les catégories de moins de 14 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans. Le championnat du monde junior se terminera le 17 septembre. L'Arménie occidentale félicite le joyeux d'échecs pour avoir défendu le nom du peuple arménien. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.